Bonjour tout le monde et bienvenue sur Afrique Pharmacopée. Je vais vous montrer là les ingrédients qui rentrent dans la préparation de ma nouvelle recette qui traite les faiblesses sexuelles, la verge molle ou les éjaculations précoces. Dans cette recette, vous aurez 5 ingrédients et ces 5 ingrédients, c'est essentiellement la racine de quelques plantes dont le nom scientifique est très difficile à prononcer, dont je vais éviter de dire des bêtises pour les prononcer. Voilà, je vais mettre les noms dans la vidéo, comme ça tout le monde pourra voir. Voici la première racine, la seconde. Et là, c'est la troisième racine. Alors, je crois que c'est juste 5 ingrédients. Vous avez là 3 racines. Et là, c'est le cerf de l'hippopotame. Vous connaissez bien l'hippopotame. Là, c'est son cerf qui est là. Ça rentre dans la préparation. J'avais dit dans une précédente vidéo que le cerf de certains animaux sont vendus, c'est-à-dire préparés et servis dans certains restaurants, parce que cela aurait des propriétés aphrodisiaques. Donc, dans cette recette, il y aura le cerf de l'hippopotame, c'est ça. Ce sera ajouté aux 3 racines. La prochaine étape de cette vidéo, c'est de découper en morceaux les différentes racines et le sexe en petits morceaux et après j'irai écraser au moulin. Donc je vais vous montrer aussi une nouvelle facette de ce métier que je n'avais pas encore montré jusque là. Donc c'est parti tout de suite pour vous montrer comment on découpe en petits morceaux les racines et consorts. Thank you.
Voilà les produits qui sont prêts. Vous avez suivi les différentes étapes de préparation, sauf la partie où je suis parti écraser ça au moulin. Donc, les différentes racines ont été transformées en poudre. Et c'est cette poudre qui est consommée dans l'eau tiède. Dans l'eau tiède pour traiter les faiblesses sexuelles. Donc, j'ai fait deux boîtes, enfin, deux différentes boîtes de. J'ai fait deux boîtes de différentes tailles. Je n'en ai pas fait beaucoup non plus. Je suis fait à peine 150 grammes. Et le petit fait 55 grammes environ. Donc voilà. Alors, comment consommer ce produit? Vous avez besoin d'un peu d'eau tiède. À cette eau tiède, vous ajoutez une cuillère à café de la poudre que vous buvez matin et soir. Donc, cette quantité-là est largement suffisante. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est une tisane que l'on peut boire pour traiter les faiblesses sexuelles. C'est légèrement amer comme la plupart des tisanes à base de plantes. Mais je peux vous assurer que c'est très très efficace pour traiter les faiblesses sexuelles masculines. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner. De nouvelles vidéos sont à venir les prochains jours. Voilà, merci de m'avoir accordé un peu de votre temps et à bientôt.